Retrouvez Spicer sur Dofus, Eh bien donc, salut tout le monde, c'est Spicer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Donc, sur l'officiel cette fois-ci, pas sur la bêta ou quelque chose comme ça. Donc, on se retrouve pour vous présenter un peu mon yop et peut-être un petit colis. Donc, voilà mon yop. Donc, je vous l'avais dit, j'ai des problèmes de RAM sur mon PC. Donc, bon, c'est pas très, très grave. Donc, il est stuff. Avec le masque du Noël machin là, bon, j'ai pris vraiment les moins chers. Hein, je vous avoue que bon, donc ça on s'en fout, ça on le quitte. Sandales, ceinture du frelon noir, Gelano 140 Vita 1PA, il serait mieux en PM, mais en fait, je vais bientôt le mettre en PM, vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer après. Le chaise bouclier pour faire la classe, le style. La molette, donc pour sa force, mais je trouve que le G-Vita n'est pas super. Je vais peut-être voir. Après les res et tout, c'est pas mal, mais le Vita, j'aime pas trop. Le nomade, donc bon, qui fait partie des nouveaux succès. Le remueur, qui fait partie éventuellement des nouveaux succès. Le miraculé majeur, donc qui fait partie des nouveaux succès aussi. L'enrageur, donc qui fait partie des nouveaux succès, donc qui donne 100 de force. Le Dofus pourpre, donc que j'ai drop, que j'ai réussi la quête à 2h04 du mat. Donc bon, merci, surtout grosse dédicace à Yim, donc elle est connectée, ou il, je sais pas. Donc grosse dédicace à toi. Et donc là il est pas connecté, mais c'est un Kra. Et merci à toi aussi, donc je me rappelle plus de ton pseudo. J'essaierai de le mettre dans la vidéo ou dans les commentaires dès que je te vois connecté. Donc voilà, merci à vous deux, en tout cas. Vous m'avez bien aidé. Donc Dofus pourpre, 80 puissance. Dofus Emerald 200 Vita, vous vous en doutez un peu. Donc dans les détails, je suis niveau 176, hein, j'ai oublié de le préciser. Donc j'ai 3600 Vita, donc qui est excessivement bien. Pour mon level, 913 de force, 1710 nids, bon, je pourrais monter un peu plus. De la prospection, bon, laissez tomber. Les restes, donc j'aimerais les améliorer parce que bon, c'est pas non plus le top. Mais bon, ça va, 18 en air, 12 en feu, 7 en terre, bon, c'est pas énorme, mais bon. Voilà, j'aimerais les augmenter. 140 puissance, donc qui commence à faire, hein. 11 dommages, donc bon, voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit là-dessus. Donc j'ai aussi des dommages en terre. J'ai 32 dommages terre, donc qui est pas mal, vraiment pas mal. Donc je rocks beaucoup, beaucoup. Et puis on va essayer d'aller au putsch, donc à Makna, le village, je crois que c'est. À Makna, le village. Le village. Donc désolé, ça rame un peu, hein. Comme je vous l'ai dit, mon PC est un peu casse-pied. Donc allez, go go go, vas-y. Donc j'essaye de reprendre un peu le rythme des vidéos, donc je suis pas sûr de gérer au moins deux vidéos, une vidéo tous les deux jours. Mais bon, on va essayer. Donc petit gagner un petit, ouais, yes, un niveau 100. Donc je mets ça parce que j'aime pas qu'on me regarde. Je m'en fous, bien. Tac. En tout premier, ce que je fais, moi, c'est que je fais puissance coco. C'est le plus souvent. Donc déjà 1200 dans sa face. Hein. Ça commence, enfin c'est bien. Puis après, je lui mets 3 petites concentrations à presque 400. Plus une pression. Donc bon, le gars il est déjà bien amorcé, voilà, donc après je tape normal quoi. Bon là je vais me booster à mort pour que vous voyez, donc là je peux monter, vous voyez, jusqu'à 4200 de Vita avec vitalité, donc c'est hyper bien, c'est genre un level 200 quoi, enfin à peu près. Puis là je vais refaire mes deux divines. Voilà, donc après, je fais puissance
Normalement, je pourrais faire un petit putsch ou un truc comme ça. Et là, je le retape. Donc, pourquoi tu me fais moins fort que tout à l'heure? Mec. Attendez, je vais tester un truc. Voilà, bon, là, ça 2000. On va le finir à la coco. Puis, la coco peut monter très très fort. Hein. Ouais, ça reste à 2000. C'est bizarre. Bon. J'utilise pas trop la coco, normalement j'utilise que les concentrations et les pressions. Et des fois les épées du Yop, mais bon, ça use beaucoup trop de PA. Ouais, par contre j'ai pas 10 PA, enfin j'ai 10 PA. Et je suis pas en mode 12 PA, donc c'est un peu ça qui m'énerve un peu. C'est que j'aimerais vraiment passer ce 12 PA. Et j'aimerais passer à 200 puissance, donc vous allez voir comment. Donc en gros j'ai décidé de mettre un cram cram. Mais avec un Gelano PAPM. Parce que vous voyez que si j'enlève le Gelano PA. Même si je le mets, vous voyez, si j'enlève le Nomade. Non, putain, je suis con. Si j'enlève la DD, il me reste 5 PM. Et moi, je veux mettre le Cram Cram. Du coup, ça va pas le faire. Il faut que j'ai un Gelano PAPM. Et puis, voilà, j'aurai le Cram. Donc, 50 puissance et tout. Donc ça, je trouve ça pourrait être mieux. Même si je perds beaucoup de vita, je m'en fous, je gagne des res, je gagne des trucs. Et puis voilà, donc je m'en fous un peu, tu sais, vous savez, pour 400 de vita, ça s'enlève assez vite à 400 de vita. Donc, je vais essayer de chercher un colis, je vous reprends après. Allez, à tout. Eh bien, re les gens. Donc là, je sais pas si on va gagner, mais en tout cas, ils m'ont pas l'air hyper stuff, hein. Ouais, donc ça va être assez chaud. Hein. Moi je pense. Ouais, 135, mec, quand même, faut pas abuser. Ah merde, 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 merde. Merde, merde. Ah là, j'ai stressé un truc de malade. Oh là là. Pfiou, merde! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Ouf, ouh là là. Oh putain, j'avais une archi. Parce que ouais, j'ai chopé une archi là. Le temps que j'attendais. Oh là là. Ok, donc le gars, ouais, pas de pitié. Monsieur Sturox. Donc mon gars, tu vas te prendre une tôlée direct. Ça, je te le dis. Alors, Vita. Donc Vita qui monte à 3, 6. Et puis, bah, putain, c'est trop chiant ça. C'est trop chiant quand tu peux pas. Quand tu peux pas jouer. Je fais ça. Tac. Et je peux rien foutre. Bon, pas grave. Putain, vous voyez, 12 PA, ça me changera un peu la vie quand même. Parce que le bon, ouais, il coûte 5 PA, mais pff, après, tu fais 3 concentrations, c'est foutu, quoi. Oh, le fifou. Oh, le fifou. Il veut se prendre une coco, lui. Ah, pas de problème. Ah, je pense qu'il va se mettre invisible quand même, s'il est pas con. En tout cas, il me rush. Hein. Ah, il fait mal. Je veux pas trop me vanter, mais bon. Ils sont un peu nuls. Hein. Non, je déconne. Ils vont me mettre la misère. Qu'est-ce que vous faire avec un sacré. 135 avec 3500 PV. Mon sacré, il est 140. Il a plus 140, il est à 4000 de vita. Oh putain le bâtard, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Putain, je suis déjà à 2,6 avec ma vita. Bon, pas grave. On peut se rattraper. Il n'y a pas de moyen de debuff. Avec deux yop, on risque de perdre. Hein. Bon, c'est pas grave, je suis là juste pour vous montrer un peu. Donc si je peux rien vous montrer, c'est quand même dommage. Hein. Donc je vous aurais. Ah putain, il a la cape de classe, il peut faire divine. Pas de problème. Moi je te fais divine quand tu veux, mon gars. Quand tu veux. J'aimerais bien placer une coco là pour le délire. Donc j'ai combien en res? Ouais, voilà, j'ai vraiment des res à minable. Lui aussi rocks comme une merde par contre. Pour un truc 162,
Vraiment, c'est un rock de merde, faut dire. Alors, pouf, voilà. Mais que... Oh la misère. Oh la misère. Mais combien je l'ai mis là? Ah la pression. Mais combien je l'ai mis? Putain, à 3 pressions. J'ai mis plus de 1000 à 3 pressions, les gars. C'est du délire. Oh non, je déconne, c'est habituel. Le gars qui se la joue. Putain, moi 1030. Oh putain, GG là. Ah, ils mettent cher quand même, hein, les petits. Hein. Ils mettent cher. Hein. Et encore, bon, c'est pas équilibré du tout. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment très très déséquilibré. Après, on peut gagner à JPA, mais c'est quand même très 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 déséquilibré. Pardon, autant avec une 530, j'ai rien contre elle. Mais voilà quoi. Donc là, je me suis fait violer. Littéralement violer. Donc 2 PM, qu'est-ce que tu peux faire avec 2 PM quoi? Oh putain, surpuissante, super. Alors là, on est gâté par la ville. Hein. Là, on est gâté. Alors je pourrais peut-être. Non, elle va m'enlever tous mes PM là. Putain. Ah, ça me gave. Ah non, même pas. Oh. Si je peux pas la toucher. Attends. Attends, si je me mets là. Attends, elle fait combien elle? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, si je me mets là. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Pas là, je suis dans le caca. Il va peut-être me buter. Ah non, j'espère qu'il s'approche. Oh, s'il s'approche, oh, il va se prendre une tannée. Approche-toi, coco. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Elle lui ferait vraiment que dalle. Faut qu'il reprenne son stuff. Lui fait vraiment que dalle. Il a utilisé tous ses péages, que je rappelle. Donc. Ouais, je peux pas rusher là. Comment ça se fait que j'ai pas de PM? De péage, je veux dire. Il est là-bas, l'autre. Je peux pas récup ma life. Je peux me faire une divine. J'ai 2 vitas. Putain, c'est les vitas qui vont me tenir en vie. C'est quoi qui m'enlève tous mes PA là? Sérieusement? Ah putain, mais je suis con, putain, précis, putain, bien sûr. Oh là là, le gars qui joue Yop depuis quand même presque 3 ans, 3-4 ans même, et qui sait toujours pas que précis, ça enlève des PA après. Donc bon, là j'étais à l'ouest. Hein. Oh là là, mais quel con alors. Là, je retourne en 12-6, donc là, 10-6, pardon. Là, ça va faire mal. Là, ça va faire très mal. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jackie Michel? Ok. Bon, je vais lui répondre, ah, désolé. Ok. Ah, merde, putain, il fait... Pas grave. Dédicace à lui, à Matt Nadal. Dédicace à Mad Nadal. Allez voir sa chaîne d'ailleurs. Ouais, donc bon. Niqué, elle aussi. Putain, il fait chier le SRAM. Hein. Vraiment, c'est le SRAM qui me saoule là. 6 PM, je la finis, elle. Je la finis. On parie combien que je la finis? Ah non, putain, pas avec bon. Je pourrais pas la finir avec bon. Ah si! Bon, précis. Je peux la finir. Ah mais ouais, je suis plus boost. Oh merde, putain. Oh là, c'est la dèche là. Il peut rien faire la folle. Faut buter la folle. Bute la folle. Putain, pourquoi j'ai aucun canal?
Pourquoi? Putain, mais pourquoi j'ai aucun canot? Mais sérieux! But de la folle là. But de la folle. Oh, je la buterai, tant pis. Je la bute. Putain, le gars, mais genre, mais. Oh, mais genre, il est trop posé, lui. Le gars le plus posé du monde, vous savez. Ah, il est bien stuff, hein. 161, putain, il est bien stuff, hein. Oh putain, mais oh, ils ont quoi sur moi là? Sérieux, ils arrivent même. Ah si, putain, j'aurais espéré. Alors, on a deux solutions, les gars. On va buter la folle. Oh. Ah, mais là, le dance floor. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? Avec trois petits PA. Qu'est-ce que je... Ok, le SRAM à côté. Bon, ben, j'aurais servi de putsch, hein. Comme d'hab, hein, dans toutes les batailles, je sers de putsch, de toute façon. Donc, je verrai pas pourquoi je servirai pas de putsch ici. En plus, là, c'est mort, j'ai ma vita qui s'enlève. Donc, ah, peut-être que s'il me tape pas, si, c'est mort. Allez, adieu. 159, 162, 178. Et je l'ai mis bien cher à elle. Je l'ai mis 400, 400, 400. Si on arrondit un peu. Donc, ça fait 800. 1200. En trois petites pressions. Donc 9 PA. Et encore, si j'étais en 12, j'aurais pu lui faire concentration, 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 pression, pression. Ok, posé. Putain, vous allez GG. Bon ben, moi je vais vous dire ciao. Je vais vous accélérer cette dernière partie, voir si on gagne ou si on perd. Écoutez, ben, j'espère que je regardais une dernière fois la compo que j'ai faite. Donc j'ai ouais, j'ai pas le boubou, c'est normal. J'ai fait tout ça. Et encore, je compte me changer parce que bon, 140, c'est un peu périmé. Et puis voilà, donc je vous tiens au courant. Et puis merci encore à Yin. Donc je sais pas comment on prononce ton pseudo, désolé. Et à il est là, il est là, il est pas là, il est là, il est pas là, il est là, il est pas là. Non, il est pas là. C'était un Kra 159. Donc il est pas là, tant pis. Je lui ferai une dédicace plus tard. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et l'accélérer tout de suite. Allez, ciao tout le monde.